Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction rept. Cette fonction, elle va nous permettre de répéter un texte un certain nombre de fois. Par exemple, là, j'ai une liste avec quelques employés, leur code postal, leur département et leurs emails pour eux. Et moi, ce que je souhaite ici, c'est générer un mot de passe en fonction de leur numéro de département. Du coup, ce que je vais faire, je vais répéter le numéro de département 3 fois. Et après, je vais ajouter le numéro de l'employé juste pour complexifier un peu le mot de passe. Du coup, là, je vais utiliser ma fonction rept. Et là, il y a deux arguments qui sont tous les deux obligatoires. Le texte que je vais prendre dans un premier moment, point virgule, le nombre de fois que je veux répéter ce texte. Du coup, moi, je vais mettre 3 pour le répéter 3 fois. Et là, il va me donner 95 3 fois parce que c'est le texte que j'ai répété 3 fois. Je vais rajouter juste. Je peux laisser comme ça, mais je vais rajouter juste le numéro de l'employé pour complexifier un peu le mot de passe. Et là, il nous génère en fait chaque mot de passe, 5 mots de passe pour chaque employé. Du coup, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.